We'll start now with this session. So welcome to the first plenary of the Policy Dialogues Forum on Innovation in Teaching and Learning. My name is Anna Muru, and I am the Global Partnership Manager for VVOB, which is an international non-governmental organization providing national governments with technical assistance on teacher professional development and school leadership. I am delighted to be the moderator of this session. La direction des écoles, et j'ai le grand plaisir d'être la modératrice de la présente session, dont le sujet est très proche de celui de notre organisation. Je vais commencer par vous donner quelques petits conseils logistiques. Les panélistes sont invités à garder leur caméra allumée en permanence. Et leurs micros doivent être éteints lorsqu'ils ne sont pas en train d'intervenir. Pour les participants en ligne, ils sont censés avoir leur micro éteint lorsqu'ils ne sont pas en train d'intervenir. En revanche, les participants en ligne sont invités à éteindre leur micro lorsqu'ils n'interviennent pas et à éteindre leur micro et à allumer leur caméra et leur micro lorsqu'on leur donne la parole. Vous pouvez poser vos questions en passant par le chat. Vous avez de l'interprétation en anglais et en français. Il vous suffit pour cela de sélectionner votre langue en cliquant sur le globe en bas de votre écran. Vous pouvez aussi vous servir de la partie Q&A pour poser vos questions. J'ai avec moi M. Gaspard Twagiyayezu, qui est ministre responsable de l'enseignement primaire et secondaire au Rwanda. Nous sommes enchantés de vous avoir avec nous. J'ai aussi en ligne Cathy Antalainen, qui est responsable de la planification au ministère de l'Éducation et de la Culture de Finlande. Ensuite, nous aurons avec nous M. Antonio Novoa, qui est professeur d'enseignement de l'Institut de l'enseignement à l'Université de Lisbonne. Nous avons également le plaisir d'accueillir M. Ezequiel Molina, un économiste de la Banque mondiale. Et nous avons parmi nous en présentiel M. Modern Musimenta Karema, directeur d'EPI de l'éducation sciences et technologies en Ouganda. Et enfin, et ce n'est pas le moins important, une enseignante, Mme Bianca Kimankire, qui est enseignante auprès de l'Institut africain des sciences mathématiques, l'AIMSSEC, et qui a reçu le prix Hamdan. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Passons à la phase suivante. Vous savez que les enseignants ont toujours fait preuve d'esprit d'innovation dans leur pratique, mais souvent ces innovations n'ont pas bénéficié de beaucoup de soutien et de diffusion suffisamment large. La crise de la COVID-19 a mis en lumière l'ingéniosité des enseignants, leur créativité, leur flexibilité, leur capacité à s'adapter à des circonstances nouvelles et imprévisibles. Beaucoup d'innovations dans les classes ont cependant été conçues à l'extérieur des écoles et donc introduites dans les écoles. Elles ne viennent pas des écoles, elles ne viennent pas du terrain. Or, mais il se trouve que les innovations qui viennent de l'extérieur n'amènent souvent pas de véritables améliorations durables dans le progrès des apprenants. La recherche nous dit que ces innovations doivent être bâties sur le savoir des enseignants eux-mêmes et bénéficier de leur motivation intrinsèque qui leur permet de croire aux solutions qu'ils ont créées eux-mêmes. Et jusqu'à récemment, les enseignants avaient rarement l'opportunité de partager leur propre créativité et leurs propres innovations pour l'amélioration de l'apprentissage et du bien-être des étudiants. Mais avec l'extension des systèmes de réseaux sociaux et de médias, nous avons un nouvel environnement et de nouveaux canaux de collaboration et de visibilité pour les enseignants. Et les enseignants ont aussi commencé à travailler avec des concepteurs et des chercheurs en matière d'éducation pour renseigner la façon dont des innovations dans les programmes, les technologies d'enseignement, les espaces d'enseignement peuvent être mieux conçus pour traiter des besoins des enseignants et des apprenants. Et pendant la pandémie, de nouveaux partenariats ou de l'amélioration des partenariats avec les familles, les soignants, les travailleurs sociaux ont permis de démontrer qu'une bonne collaboration entre les enseignants et les communautés permet de réaliser des innovations de meilleure qualité pour régler des problèmes socio-émotionnels, de discrimination, de cyberharcèlement, des problèmes de violence basée sur le genre et des problèmes de santé et d'hygiène. Et malgré toutes ces initiatives et l'émergence de nouvelles possibilités pour l'innovation des enseignants, il nous faut faire
plus pour que les enseignants soient reconnus pour leurs innovations et pour faire en sorte que l'innovation initiée par les enseignants soit facilitée. Et ce panel a pour but de contribuer, par le biais d'un dialogue entre des experts de ministères nationaux, d'universitaires, de fondations et d'enseignants eux-mêmes, de nous permettre de traiter de l'innovation venant des enseignants et ce de différentes perspectives. Monsieur le ministre, étant donné que le Rwanda a un rôle important pour encourager l'innovation numérique dans l'éducation partout dans la région, quel peut être le rôle des enseignants dans cette innovation et comment les gouvernements peuvent-ils faciliter un environnement d'innovation qui réponde aux besoins de tous les apprenants, y compris ceux qui n'ont pas accès aux technologies numériques? Je vous remercie beaucoup. Avant de répondre à votre question, je voudrais remercier tous les organisateurs qui ont permis à ce panel de se faire. C'est une discussion importante. Je vous souhaite la bienvenue au Rwanda. Je voudrais saluer tous ceux qui ont participé et qui participent en ligne à cette discussion. C'est une discussion très importante. Il nous faut effectivement réfléchir au rôle qui est celui des enseignants pour bâtir un système d'enseignement et le faire évoluer. Lorsque la pandémie nous a frappés, lorsque nous avons introduit l'enseignement en ligne, les travailleurs du front au Rwanda, c'était les enseignants eux-mêmes. Nous étions conscients que les choses allaient changer, que le médium par lequel nous transitait notre enseignement était en train d'évoluer et c'était aux enseignants de jouer le rôle principal qui était le leur dans cette transition. Nous avons donc fait appel aux enseignants eux-mêmes pour discuter et brainstormer avec nous de façon à trouver ensemble le meilleur moyen d'assurer la continuité de l'enseignement, même lorsque les enfants n'étaient plus en mesure d'aller à l'école. Donc, nous avons assis les enseignants et leurs partenaires autour d'une table et nous avons discuté de ce qu'il était nécessaire de faire pour que les enfants continuent de bénéficier du soutien dont ils avaient besoin. Différentes conversations se sont ensuivies. Nous avons discuté ensemble de la meilleure façon de trouver le bon canal de communication. Le bon canal était-il Internet? Était-il plutôt la radio, voire la télévision? Et nous avons décidé de passer par tous les canaux et donc de développer des contenus pour tous ces canaux en partenariat avec les enseignants. Nous avons des enseignants qui font ce qu'ils faisaient autrefois dans des classes, mais dans des studios de télédiffusion. Nous avons des systèmes de quiz basés sur les textos, la messagerie rapide, avec nos partenaires, et pour faire en sorte que les apprenants soient en mesure de répondre aux questions et de faire leurs devoirs à la maison. Et les enseignants recueillaient le retour des apprenants. Les enseignants sont restés vraiment le moyeu, comme ils l'avaient toujours été, le point central de cette articulation. Quels que soient les investissements en matière de technologie, nous savons que l'enseignant, c'est ce qui n'est pas remplaçable. Nous avons besoin d'opportunités pour aller toujours plus loin avec les enseignants et nous poursuivons le travail pendant les confinements notamment, mais dès que les écoles ont réouvert, nous avons continué de travailler avec les enseignants et commencé par reconnaître le travail des enseignants et la réussite de cette transition pendant le confinement. Certains enseignants sont allés bien au-delà de ce que l'on était en droit d'attendre d'eux. Ils ont vraiment saisi l'opportunité qui leur était donnée et découvert des solutions en utilisant par exemple WhatsApp, envoyer des transitions, envoyer des vidéos, des tutoriels. Il y a certains enseignants qui ont appelé les parents pour leur demander comment les enfants se débrouillaient, s'ils arrivaient à traiter ce qu'on leur envoyait.
Même lorsque les enseignants étaient malades, d'ailleurs, hein, et lorsque les enfants étaient malades, il fallait aussi essayer d'assurer une certaine continuité. D'ailleurs, c'est ce que les enseignants ont toujours fait. Lorsque les enfants étaient malades, ils se tenaient au courant de ce qui se passait chez eux, et il fallait, nous aussi, rester en lien avec les enseignants, vérifier que les enseignants maintenaient ce lien avec leurs élèves. Et ce travail complémentaire, il fallait qu'il soit reconnu et apprécié. Nous avons également commencé à réfléchir aux investissements qui avaient été réalisés pendant le confinement sur ce contenu qui avait été mis en place. C'est un investissement qui ne devrait pas s'arrêter aujourd'hui. Même si les écoles ont rouvert, il n'y a pas de raison que cet effort s'arrête là. Nous avons donc commencé à investir dans les dispositifs que nous avons fournis aux enseignants, de façon à ce que chaque enseignant dans le système national bénéficie d'un dispositif quelconque, qu'ils aient soit un ordinateur, soit une tablette, pour pouvoir continuer ce travail. Et nous allons maintenir cet effort. Et nous avons bien l'intention de maintenir ce cap. Au début de cette conversation, nous constations que beaucoup des solutions, disons, conventionnelles qui existaient auparavant avaient été mises au point par plus exactement, beaucoup de solutions qui existaient avant la pandémie, basées sur des technologies, avaient été mises au point par des technologistes. Si nous ne prenons pas garde, les technologies prendront le dessus sur le processus d'enseignement. Nous avons donc commencé à impliquer les enseignants, à les consulter, à leur demander leurs propres idées. Que faites-vous en classe? Comment la technologie peut-elle vous aider à mieux faire votre travail? Comment la technologie peut-elle vous aider à améliorer ce que vous faites déjà? Et les réponses à ces questions sont l'ingrédient dont nous avons besoin pour nous adresser ensuite aux entrepreneurs de façon à ce qu'ils mettent à ce qu'ils donnent une réalité à ce dont les enseignants ont besoin. Il faut que la technologie soit au service des enseignants au lieu de prendre une technologie qui a été conçue en dehors de l'environnement d'apprentissage et donc de forcer les enseignants en définitive à se mettre au service des technologies. Nous avons également constaté que des solutions multiples se mettaient sur la table pour faire en gros la même chose. Et pour travailler avec ces solutions, il est important de faire en sorte que nous n'imposions pas aux enseignants une courbe d'apprentissage trop difficile. Il faut savoir ce que sont les technologies avec lesquelles les enseignants sont déjà familiarisés et faire de notre mieux pour mettre à disposition des solutions basées sur ces outils-là. Nous, le gouvernement, devons permettre à nos enseignants de nous familiariser avec la technologie, mais reconnaître aussi qu'il faut toujours avoir comme point de départ l'enseignant lui-même. C'est lui qui doit être, qui doit nous faire part de ce qui pose problème, et c'est à nous de faire en sorte que la technologie les aide à résoudre ces problèmes. Et ça n'est pas forcément toujours facile, mais c'est à cela que nous nous sommes engagés. La pandémie nous a appris que nous-mêmes sommes des apprenants et que nous ne pouvons pas nous permettre de cesser d'apprendre. Et c'est à cela que nous nous attachons aujourd'hui. Je vous remercie, Monsieur le ministre, pour ces remarques qui nous inspirent. En tant que continent, nous sommes tous inspirés par ce qui se passe au Rwanda. Je vous remercie. Nous allons donner la parole à la Finlande. Madame Kati Antalainen, qui est responsable de la planification au ministère de l'Éducation et de la Culture en Finlande. Bonjour, madame. Nous aimerions savoir, étant donné l'évolution qui a été celle de la Finlande en matière d'innovation de programme, quelles ont été les implications pour les enseignants et l'apprentissage? Et dans le cadre spécifique de la pandémie de la COVID-19, que prévoyez-vous comme innovation sur le plan du programme et comme impact sur les enseignants? Katy, êtes-vous là? Je suis là. J'espère que vous m'entendez. M'entendez-vous?
M'entendez-vous? Hello, can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Hello, can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? I hope you can hear me. J'espère que vous m'entendez. I'm online and I can hear you. Perfect. En ligne, nous vous entendons. I think I'm already unmuted. That's as it appears on my screen. Je n'ai pas éteint mon micro. Je vois sur mon écran. So let me send a message to my colleagues who are in Kigali. Okay. 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 Thank you so much. Yeah. On my screen, I am unmuted. Je sais, parce que je le vois sur mon écran, que mon micro est allumé. Et en ligne, on m'entend. Mais apparemment, vous ne m'entendez pas dans la salle. Apparemment, nous avons un problème technologique, donc je vais donner la parole à l'intervenant suivant. Katie, nous vous entendons sur le système en ligne, mais nous ne vous entendons pas dans la salle, donc nous allons essayer de résoudre ce problème. Okay, let's proceed now with another participant. Alors, nous allons donner la parole à un intervenant dans la salle. Je vais donner la parole à Monsieur Moderne Moussi Mentakarema de l'enseignement STER. Dites-moi, quels sont les environnements qui sont les plus propices à la collaboration entre les enseignants et entre les enseignants et les chercheurs et concepteurs d'outils et autres parties prenantes? Et quel est le meilleur environnement pour faire en sorte que l'innovation se passe avec les enseignants et qu'ils ne la subissent pas? Est-ce que vous m'entendez tous? Oui, je vous remercie. Alors, vous nous avez posé une excellente question. Qui suit sur celle que vous avez posée au ministre. Alors, vous parlez d'abord d'environnement, vous parlez de collaboration, et en fait, vous parlez d'appropriation des outils par les enseignants. Alors, pour répondre à cette question, à partir de l'expérience qui a été la nôtre, du secteur STER en Ouganda et Indonésie, où nous travaillons essentiellement avec des enseignants, il y a trois concepts auxquels je vous encourage à réfléchir. Il y a d'abord le concept de motivation, de modélisation des comportements et des fondements de l'apprentissage. Alors, commençons par la question de la motivation. Lorsque nous réfléchissons aux innovations, aux solutions que nous proposons aux enseignants, que nous soyons gouvernants ou chercheurs ou technologistes, la question doit être de savoir si l'enseignant y croit, si l'enseignant va s'approprier cette innovation et si elle va se refléter dans leur performance et avoir un impact positif sur le rôle de l'enseignant, qui est de rendre l'apprenant apte s'épanouir dans le monde et se rendre utile dans le monde. L'enseignant a-t-il une idée de la façon dont l'innovation qui lui est proposée s'insère dans son fonctionnement? Est-ce que cela va être utile au monde au-delà de la classe? La question de la modélisation des comportements dans un système est importante également parce qu'un enseignant s'insère dans un système et il faut savoir comment le directeur, par exemple, va fonctionner avec l'enseignant, le directeur de l'établissement. Il y a le niveau de la collectivité locale. Comment l'enseignant va-t-il s'insérer dans cette collectivité locale? Et avec tous ceux qui sont responsables au niveau national, et quelle est l'image du niveau national et du niveau de la collectivité aux yeux de l'enseignant?
sachant qu'il y a un leadership qui a un impact sur l'enseignant à tous les niveaux. Il est important de faire en sorte que chaque innovation ait un impact positif en se demandant si le système tout entier est en train de se saisir de cette innovation. Qui est la cible? C'est l'enseignant qui va devoir s'en servir pour faire changer les choses. Mais est-ce que l'évolution est intégrée par le système dans son ensemble ou est-ce que toute la pression repose sur l'enseignant tout seul? Parce que si l'enseignant cherche à reprendre, à accepter une innovation, mais que le système ne le soutient pas, si l'enseignant est le seul à savoir ce qu'il faut faire et que les autres ne le savent pas, ça ne peut pas fonctionner aussi efficacement. Si l'enseignant sait ce qui est nécessaire, mais que le système dont il fait partie, par exemple, son inspecteur d'académie, ne sait pas, ne connaît pas cette innovation et ne sait pas ce que cela impose ou attend de l'enseignant, il manque une clé pour que l'enseignant puisse vraiment s'épanouir avec ce nouvel outil et sache qu'il va être soutenu au niveau supérieur. Les fondations de l'apprentissage tout au long de la vie, c'est un concept très large. Comme nous le savons, j'aimerais parler de 5 points. La sécurité, tout d'abord. La sécurité des classes, aussi. Dans quelle mesure est-ce que l'innovation concourt à la sécurité de tout le système? L'innovation adoptée, est-ce qu'elle est vraiment appropriée? La collaboration entre les enseignants et le directeur. Deuxième point. 3. L'apprentissage. Et la motivation, car les enseignants doivent être motivés dans leur métier. Si on souhaite que ces innovations améliorent les résultats, eh bien, les enseignants doivent être motivés. Ce sont les 3 éléments clés. Motivation, l'exemple et l'apprentissage tout au long de la vie, qui constitue un environnement d'apprentissage propice à l'autonomie, à la compétence et à la finalité. Finalité de l'éducation. Il faut comprendre que tout ce que l'on fait à l'école dépasse l'établissement et permet de concourir à l'amélioration non seulement des perspectives des étudiants, mais aussi des sociétés et des pays. Les enseignants, pour leur part, peuvent voir leur perspective professionnelle s'améliorer. Donc voilà pour résumer en quelques mots. Merci, merci beaucoup. Nous allons revenir à Madame Antalainen. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous m'entendez. Mon microphone est allumé. M'entendez-vous? Oui, très bien, merci. Merci de me donner la parole. C'est un honneur pour moi d'intervenir au nom du groupe pour l'éducation de la Finlande et du ministère de l'Éducation. La ministre n'a pas pu participer malheureusement. Nous aimerions remercier le gouvernement du Rwanda et l'UNESCO. Vos Excellences, chers ministres, Mesdames, Messieurs, j'aimerais parler de la collaboration, un pilier de l'innovation. En Finlande, nous mettons notre foi dans la collaboration et les pratiques de collaboration. Les enseignants sont un partenaire de premier plan, notamment les syndicats d'enseignants.
les programmes scolaires est fondée sur une approche de collaboration. Nos programmes scolaires soulignent l'importance du transfert de compétences, le rôle des enseignants, permettant aux enseignants de collaborer entre les filières. En Finlande, nous concentrons maintenant sur la méthode d'apprentissage plutôt que le contenu de l'apprentissage. Nous continuons de concevoir de nouvelles politiques en matière de formation des enseignants. Tous les représentants du domaine de l'éducation jusqu'aux universités participent à un forum d'échange qui est une enceinte de dialogue permettant de mettre en avant les besoins de la profession. De cette manière, nous assurons que les faits probants sont entendus. Ce qui importe, c'est de mettre à profit les réseaux d'étudiants et les pratiques. Dans la profession, les enseignants sont encouragés à coopérer non seulement avec d'autres enseignants entre les disciplines, mais aussi avec d'autres acteurs sociétaux. À nos yeux, c'est important pour mettre en avant le rôle de l'éducation. Il faut mettre à profit l'environnement d'apprentissage de la société. Et cela implique la participation de la société civile et d'autres acteurs. Nous avons déjà entendu, les derniers intervenants, que l'innovation a lieu non seulement dans les écoles, mais aussi au-delà. En Finlande, nous œuvrons à former des enseignants qui sont ouverts à l'innovation et ouverts à de nouvelles approches. Récemment, nous avons souligné l'importance des compétences numériques. Déjà avant la pandémie, nous avions établi un réseau de formation des étudiants aujourd'hui, des enseignants, pardon. Aujourd'hui, les enseignants sont formés aux nouvelles technologies. Ces réseaux d'entraide entre les enseignants jouent un rôle important durant la pandémie. Nous voulons également nous assurer que les enseignants continuent de concourir à l'amélioration de leur cadre de travail au sein des écoles. Il faut donc pour cela donner une attention particulière à la collaboration participative de la part des écoles, mais aussi des enseignants. Chers participants, une condition de l'innovation essentielle à souligner, les experts en éducation en Finlande doivent avoir une grande autonomie. Les étudiants doivent avoir une très grande autonomie et cela améliore la résilience. L'éducation est valorisée en Finlande et les universités ont la chance de pouvoir sélectionner les meilleurs candidats. La formation des enseignants est fondée sur la recherche et les études jouent un rôle essentiel. Voilà les conditions qui nous permettent de mettre en œuvre l'innovation dans le domaine de la pédagogie. En Finlande, nous sommes particulièrement attachés au message de l'UNESCO sur l'avenir de l'éducation et en particulier son appel à améliorer la collaboration entre les enseignants. Et nous sommes ravis de voir que l'UNESCO continue de soutenir les différentes structures dans le domaine de l'éducation. Nous pensons que ce sont des avancées importantes vers les objectifs en matière d'éducation. Merci beaucoup. Merci, Madame Antalainen. Toutes nos excuses pour les problèmes techniques. Nous allons maintenant passer à Monsieur Antonio Novoa, professeur d'éducation de l'Université de Lisbonne. Monsieur Novoa, le rapport intitulé « Avenir de l'éducation »
appelle à la refonte du contrat social pour l'éducation. Pendant les confinements, nous avons vu combien d'enseignants ont innové pour assurer un suivi pédagogique permettant ainsi de mettre en avant leur profil et l'importance de leur profession. Est-ce que vous pensez que les enseignants ont un rôle important à jouer pour la refonte, dans la refonte de ce contrat social pour l'éducation? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à ce forum. Alors, j'adopte la perspective de ce dernier rapport qui imagine l'avenir de l'éducation. Certains axes méritent d'être soulignés. Ce rapport a été alimenté par une consultation au niveau mondial sur 2 ans. De mon point de vue, il y a 3 dimensions qui ressortent particulièrement. Tout d'abord, l'existence dans le monde entier de tendances qui mettent en péril le statut et l'identité professionnelle des enseignants. Des visions futuristes qui annoncent la mort des écoles, la mort de la profession enseignante, le remplacement par les technologies, l'intelligence artificielle. Il y a également des discours plus vagues sur l'utilité de l'apprentissage, aussi la mise en avant d'autres rôles que les enseignants, les facilitateurs notamment. Ces tendances s'accompagnent d'une dévalorisation des enseignants et un nivellement par le bas des compétences demandées aux enseignants, notamment lors du recrutement. Il est inutile, à mon avis, de parler de l'innovation encore, si nous ne comprenons pas, avant tout, si nous ne critiquons pas ces tendances qui sont dangereuses pour les enseignants et l'avenir de l'éducation et qui rendent impossible de créer un nouveau contrat social pour l'éducation. Deuxième remarque, le rôle des enseignants au sein des écoles. Très bien décrit par la dernière intervenante. Le rapport montre l'apport des enseignants par le renforcement de la dimension humaine et des relations. Cette dimension est particulièrement importante dans le rapport. Le rapport souligne également, et j'en reviens à votre question, à des évolutions profondes dans le modèle d'éducation et à un mode beaucoup plus collaboratif de l'éducation. L'innovation transforme ces modèles d'enseignement. Comprenons donc que ce nouveau contrat social change le contrat social qui était bâti et consolidé à la fin du 19e siècle. La collaboration ne veut pas dire la collaboration forcée. Nous défendons une pédagogie à différents moments, dans différents endroits, une pédagogie qui implique la collaboration. Il est inutile, à mes yeux, d'imposer la collaboration entre les enseignants si nous demandons à chaque enseignant d'agir individuellement à leur échelle. Si nous travaillons seulement dans les salles de classe, on ne parle pas de collaboration.
et cela sera ressenti comme quelque chose d'imposé. La collaboration donne du sens dans le cadre d'un renouveau, d'une redéfinition de la pédagogie, un nouveau modèle d'organisation des écoles et un nouveau modèle pédagogique. Et c'est une partie centrale du rapport, peut-être la partie la plus importante de ce rapport. Dernier point, qui est très important à mes yeux, la présence et la visibilité des enseignants dans l'espace public. Ici, je ne parlerai que de trois aspects. Tout d'abord, la participation des enseignants dans la production de la connaissance, de connaissances pédagogiques ou professionnelles, et leur capacité de partager, de diffuser ces compétences et ces expériences à travers le monde. Et je mets ici l'innovation au centre de la production de la connaissance et du partage de cette connaissance. Deuxième aspect, le rôle des étudiants, des enseignants, pardon, dans la rédaction de leurs propres pratiques, de leurs propres expériences, aux fins de publication de textes, de documents, de livres, leur permettant d'accroître leur visibilité publique et de donner plus de moyens, de mettre en avant leur métier. Troisième aspect, la participation des enseignants dans la discussion et dans les décisions concernant la politique en matière d'éducation. Et comme nous le savons, les enseignants sont souvent écartés de ces dialogues et de ces décisions. Donc, là, le point que j'aimerais souligner, il faut partager, écrire et participer. Je pense que cela peut concourir à accroître la visibilité des enseignants et il est important de légitimer l'action des enseignants et de les autonomiser. Donc, voilà les trois aspects qui sont présents dans le rapport. Et pour résumer, le rapport raffirme le rôle central des enseignants, l'importance de leur autonomie, et cela nous permet d'avoir une compréhension concrète de leur métier. Le rapport parle des tendances de transformation de l'éducation et le rôle des enseignants dans les transformations générales. Je pense que nous vivons ces changements à l'heure de la pandémie. Nous avons un large consensus sur les manières de présenter le métier d'enseignant, mais malheureusement, nos pratiques, les politiques en matière d'enseignement, les pratiques mises en place dans les écoles ne sont pas en phase avec les discours concernant les enseignants. Il faut donc, je pense, joindre le geste à la parole et traduire dans les actes les propos que l'on tient sur les enseignants. Merci. Merci beaucoup. Très bien dit, merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à M. Ezequiel Molina de la Banque mondiale. Êtes-vous avec nous? Bienvenue. La Banque mondiale a développé des initiatives phares visant à améliorer la qualité des interactions enseignants
étudiants. Il y a plusieurs outils et une initiative intitulée Coach pour aider les pays à améliorer le développement des professionnels du service. Est-ce que prendre en compte les retours et les pratiques permettent de développer l'innovation en matière d'éducation? Merci. Alors, imaginez que l'on vous demande de cuisiner un curry sans vous donner de recette. On vous parle de la science derrière la cuisine et on vous donne une recette pour le cheesecake. On ne vous dit rien des ustensiles, des ingrédients pour faire ce curry. Pour la plupart d'entre nous, ce serait une catastrophe. Souvent, nous agissons ainsi. Nous laissons nos enseignants isolés, nous ne les soutenons pas dans l'innovation, et ce n'est pas comme cela qu'il faut se comporter. C'est à nous de prendre en compte ce besoin, car les enseignants cherchent à faire de leur mieux pour les enseignants, mais en général, ils ne bénéficient pas du soutien qui leur permettrait d'agir de façon efficace en classe. Alors la question, c'est comment faire en sorte de les soutenir et comment faire en sorte de soutenir les pays pour que les pays puissent faire bénéficier les enseignants du soutien dont ils ont besoin. Il faut que leur autonomie leur permette d'innover. Et pour cela, il faut que nous fassions une idée claire de leurs besoins. En 2019, la Banque mondiale a lancé Teach, qui est un outil qui permet d'observer les pratiques des enseignants dans les classes et d'identifier donc les besoins en matière de développement professionnel des enseignants. C'est un outil qui aujourd'hui est disponible dans plus de 10 langues et dans chaque pays, il a été adapté à un contexte qui est très spécifique. Par exemple, en Uruguay, nous travaillons avec le gouvernement pour étudier spécifiquement l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et des outils comme Teach permettent d'identifier des besoins spécifiques des enseignants en matière de formation professionnelle, mais aussi de développer une langue commune pour la formation professionnelle des enseignants. Souvent, on nous demande ce qui va suivre. Comment pouvons-nous aider les enseignants non seulement à identifier les domaines où ils ont besoin de soutien, mais comment permettre à leur pratique de se répandre? Et la Banque mondiale a développé Coach, qui est un outil de développement professionnel qui se customise aux besoins spécifiques des enseignants et qui est basé sur les pratiques et le retour des enseignants les plus expérimentés et des dirigeants en matière pédagogique. Avec une version adaptée de Teach qui sert à d'outils de diagnostic avec un cycle d'observation qui a donné une augmentation considérable des formations. Mais comment faire en sorte que les enseignants bénéficient d'un maximum d'autonomie? Il faut identifier les domaines de formation professionnelle où ils ont des besoins et identifier les personnes, les enseignants ou les formateurs, qui sont les spécialistes dans ces domaines, de façon à ce que à pouvoir bénéficier de leurs connaissances. Si nous avons des enseignants qui sont disponibles pour faire ce qui est le plus difficile, à savoir l'enseignement lui-même, il faut que nous leur fournissions l'aide dont ils ont besoin. C'est ainsi que nous facilitons l'innovation. L'innovation,
c'est quelque chose qui doit être cultivé. Ça n'apparaît pas tout seul et il faut travailler à l'innovation de façon délibérée. Si on revenait à la cuisine et que si on vous a donné les recettes et les ingrédients avec le retour nécessaire de cuisiniers expérimentés, que l'on vous a fourni des outils appropriés, alors vous, avec l'expérience, le matériel et l'information, vous allez être en mesure d'innover et de faire votre propre version de ce curry. La Banque mondiale a lancé avant la pandémie une plateforme mondiale pour l'enseignement, pour la réussite de l'enseignement, qui aide justement à ce que à l'autonomie des enseignants. C'est une plateforme qui doit rendre l'enseignement attrayant, qui doit améliorer une sélection méritocratique et le déploiement efficace des enseignants, fournissant un développement professionnel adéquat des enseignants avec le leadership nécessaire. La Banque mondiale cherche à fournir aux États le soutien financier et le conseil technique dont ils ont besoin. 80 millions d'enseignants doivent pouvoir en bénéficier, à savoir un tiers des enseignants des pays à revenus moyens. C'est un soutien opérationnel qui est complété par des ressources qui sont à la disposition des chercheurs, des décideurs et des enseignants eux-mêmes et qui doit aider au déploiement de ce système. Nous vous encourageons à explorer ces outils que nous avons rendus publics et nous vous enverrons par la plateforme les liens vers tous les outils dont nous avons discuté et des contacts de façon à ce que vous puissiez vous mettre en rapport avec nous pour nous donner un retour. Merci beaucoup, Monsieur Molina. Merci. Nous avons pris un petit peu de retard et nous allons être obligés de nous arrêter là pour pouvoir respecter nos temps de parole. Mais n'hésitez pas à mettre en ligne tous ces éléments de façon à ce que les participants puissent les trouver. Formidable. Je vais maintenant inviter le public à nous poser vos questions, si vous en avez, avant que nous ne donnions la parole à notre dernier panéliste. Vous pouvez lever la main si vous avez des questions. J'ai une question. Veuillez lui apporter un micro, s'il vous plaît. Pourriez-vous lever la main à nouveau pour que nous puissions vous repérer? Merci. Merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Ismaël et je viens de l'UNESCO, du bureau hors siège de l'Ouganda. J'ai écouté avec attention les débats et j'ai une question qui concerne spécifiquement les aspects pratiques de l'autonomie des enseignants. Je ne sais pas si j'ai moi-même bien compris le sens exact de ce concept d'autonomie. Je cherche à trouver le moyen de promouvoir l'autonomie des enseignants dans une situation où l'enseignant est censé enseigner dans un cadre fixe, avec un programme fixe. Les attentes que nous avons relativement à l'enseignant qui doit être dispensé sont claires. L'enseignant est censé dispenser l'enseignement nécessaire pour que les apprenants puissent réussir à leurs examens. Donc, d'une certaine façon, nous contraignons l'enseignant à travailler dans un cadre assez précis, qui est prédéfini. Il a été prédéfini sans d'ailleurs que l'enseignant y ait participé. Alors, comment pouvons-nous, dans un tel cadre, sortir du cadre suffisamment pour que l'enseignant puisse faire preuve d'autonomie dans son travail? Deuxièmement, je ne suis pas sûre que nous ne soyons pas en train de mélanger nos concepts. Lorsque nous parlons d'autonomie des enseignants, d'une part, et d'autre part de collaboration, il me semble que ce n'est pas la même chose et que même les deux se contredisent. En tout cas, ne peuvent pas forcément coexister. Merci pour ces questions. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait répondre à ces questions en ligne ou dans la salle? Aviez-vous aussi une question à poser? Nous n'avons malheureusement pas le temps de prendre d'autres questions pour l'instant. Donc, je pense que vous pouvez garder votre question pour plus tard. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui aimerait répondre aux deux questions posées?
Si ce n'est pas le cas, nous pouvons donner la parole à nos panélistes en ligne. Je vois une main levée. Pourriez-vous vous identifier, s'il vous plaît? Je ne vois que votre main. Oui, certainement. Je suis Kati Antalainen de Finlande. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui, nous vous entendons. Ma connexion est un petit peu instable. J'espère que vous m'entendez. Non, non, vous entendons parfaitement. Vous pouvez y aller. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Apparemment, nous avons à nouveau un problème technique. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui peut répondre à la question? Très bien. Pourriez-vous donner la parole? Transmettez le micro, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolée. Je crois que j'ai eu un problème technique. Est-ce que vous m'entendez à présent? Oui, nous vous entendons. Ah, parfait. Alors, je vais intervenir très brièvement pour ne pas perdre de temps. En Finlande spécifiquement, comme je l'ai déjà dit, nos enseignants ont bénéficié d'une vaste autonomie. Et ce que nous entendons exactement par autonomie, c'est que les enseignants bénéficient de beaucoup de liberté dans le choix de la documentation, des matériaux qu'ils utilisent pour l'enseignement, de leur approche pédagogique, de leur méthode, et aussi dans le domaine de l'évaluation. Cela signifie qu'en Finlande, nous parlons beaucoup de la culture de confiance, une confiance qui est fondée sur de nombreux facteurs. Il n'y a pas de panacée, comme cela a très bien été dit par le représentant de la Banque mondiale tout à l'heure. Tout, en définitive, dépend de la compétence des enseignants. Nous parlons, en définitive, d'un enseignement de qualité dispensés aux enseignants. C'est la formation des enseignants qui doit être basée sur la recherche et qui doit être de la meilleure qualité possible. Et elle doit inclure une composante pratique solide qui doit faire partie de la formation. En Finlande, nous avons malheureusement l'intervention vient de s'interrompre. Nous avons perdu l'intervenante. Alors, je pense que nous allons devoir passer à la dernière présentation. Notre dernière panéliste, et nous rendrons la parole au panéliste en ligne tout à l'heure. J'ai avec moi Madame Bianca Kimankire, à qui je voudrais poser la question suivante. Dans le contexte de la fermeture des écoles et de ce qui s'est en suivi, quelles sont les innovations en matière d'approche pédagogique soutenues par la IMSEC qui vous ont été le plus utiles pour maintenir la continuité de l'enseignement? Madame Kimankire va faire une présentation sur sa propre expérience en Afrique du Sud. Madame Kimankire, vous avez la parole. Je vous remercie et j'espère que vous m'entendez. Nous vous entendons. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Bianca Kimankire et je suis enseignante en mathématiques au Centre d'enrichissement des sciences mathématiques à IMSEC. L'IMSEC est une organisation non lucrative qui forme des enseignants en mathématiques et des leaders en matière de mathématiques dans des communautés en Afrique du Sud, dans les communautés les moins avantagées et dont le but est d'introduire de nouvelles techniques d'enseignement, des ressources innovatrices et des approches d'enseignement qui donnent plus de pouvoir aux enseignants pour que les apprenants bénéficient des connaissances, de la compréhension et des compétences dont ils ont besoin pour le 21e siècle. Le but de l'IMSEC, puis-je avoir le transparent suivant, s'il vous plaît? L'objectif de l'IMSEC est de fournir aux apprenants, aux enseignants, un contenu transformateur, d'équiper les enseignants avec les compétences technologiques dont ils ont besoin pour adapter leur enseignement aux besoins du 21e siècle,
et de promouvoir un enseignement en mathématiques qui aide les étudiants à développer leurs compétences pour la vie et pour le travail dans un monde en évolution et de fournir une plateforme pour le débat professionnel et le partage d'idées et enfin de former des formateurs, c'est-à-dire des enseignants capables de former leurs pairs. C'est notamment dans la situation du Covid que nous en avons le plus besoin. Le but est aussi de permettre de donner aux enseignants un contenu d'enseignement qui soit vraiment qui permette de transformer l'éducation. Dans la situation de la pandémie, on a mis en place un système en rotation pour dans les écoles, donc beaucoup d'apprenants n'allaient plus à l'école qu'une fois par semaine, la taille des classes ayant dû être réduite. Donc, avec un grand nombre de classes et certains apprenants n'ayant école qu'une fois par semaine ou deux fois par semaine, voire une fois toutes les deux semaines, on avait moins de temps d'apprentissage et moins de possibilités donc, de couvrir l'intégralité du programme. En revanche, les enseignants avaient une charge de travail plus importante. Et le besoin n'avait pas changé, sachant qu'en outre, on avait du mal à couvrir l'intégralité des éléments que l'on était censé enseigner, étant donné le plus grand nombre de classes et le fait que certains enseignants devaient enseigner à un plus grand nombre de classes, la charge de travail augmentait. Et on se trouvait souvent obligé d'enseigner à plusieurs niveaux, plus de niveaux qu'auparavant, dans une situation de manque de ressources et de formation, notamment pour un environnement d'apprentissage en ligne. Beaucoup d'écoles n'étaient pas préparées à la plateforme, les écoles n'avaient pas les budgets, les enseignants n'avaient pas bénéficié des formations nécessaires pour enseigner de façon efficace dans ce nouveau contexte. Les solutions de l'AMSEC aux défis présentés par la COVID-19. Au début de la pandémie, l'AMSEC a mis au point des formations en ligne, sachant que après la COVID, on aurait besoin aussi d'un enseignement en direct. Ces formations ont été présentées par l'intermédiaire de Google Classroom. Malheureusement, nous avons à nouveau un problème technique. Et d'ailleurs, nous allons nous trouver à court de temps. Bianca, malheureusement, nous allons devoir nous arrêter. Nous vous avons perdu depuis plusieurs minutes. Est-ce que vous pourriez conclure rapidement et nous mettre la présentation dans le chat? D'accord. Les plateformes que nous avons utilisées étaient Google Classroom, une plateforme en ligne qui fournit des formations et permet l'accès au contenu. Et nous avons utilisé Zoom, mais aussi Quizzes et Padlets, Kahoot, GeoGebra, toutes sortes d'outils, notamment les Padlets qui permettent aux apprenants de poster des notes sur une page commune de façon à pouvoir contribuer à des activités en groupe, des projets par exemple. Tout cela a permis aux enseignants de se former de façon efficace. Merci beaucoup. Merci infiniment, Bianca. Toutes nos excuses. Je suis vraiment désolée d'avoir dû vous accélérer votre présentation. Je crois qu'il nous reste encore quelques minutes. Peut-être que Katie pourrait compléter sa réponse, si elle est encore avec nous. Je vais vous donner la parole, Katie, si vous êtes encore là. Sinon, nous aurions tout juste le temps de prendre encore une question. Je suis là et je suis tout à fait disposée à répondre. J'étais en train d'essayer de répondre dans le chat. Si je suis à nouveau interrompue, je répondrai par le chat. Mais l'autonomie, comme j'étais en train de le dire, est liée à la qualité de la formation des enseignants. Il y a un lien avec aussi ce que nous appelons la culture de la confiance.
La redevabilité intrinsèque professionnelle qui est liée à une vision nationale, à la vision de la société sur l'éducation. Lorsqu'une société croit en l'éducation et lorsqu'elle comprend, lorsqu'une société est consciente de l'importance de l'éducation, alors cela contribue à un cycle positif par lequel le système est harmonisé. Donc, toutes les pièces du système sont orientées dans la même direction. Tout le monde cherche à travailler de son mieux pour un bon système éducatif. Et bien sûr, on a toujours des systèmes d'évaluation. Nous n'avons pas d'inspection, en revanche, ce qui est peut-être une différence importante, une spécificité qui nous rend différentes de beaucoup d'autres pays. Et cela n'est possible justement que parce que nos enseignants sont extrêmement bien formés et que nous les considérons comme les véritables experts dans leur matière. Donc, nous pouvons leur faire confiance. Et cela repose sur beaucoup de choses. Les directeurs, par exemple, sont des experts en pédagogie qui doivent être des responsables et qui soient toujours à la disposition des enseignants pour les soutenir. L'autonomie des enseignants, comme je l'ai déjà dit, leur permet de choisir eux-mêmes les matériaux, les méthodes et les évaluations auxquelles ils veulent procéder. Les enseignants participent à toutes les réformes en matière de politique d'éducation, de façon individuelle ou par le biais de leur syndicat. Et les enseignants sont fermement investis dans la production des programmes au niveau local. Nous avons un cadre assez vaste sur le plan au niveau national, mais toutes les écoles et toutes les collectivités locales ont un programme au niveau local. Et lorsque les enseignants participent activement au processus d'élaboration de ces programmes, alors toute la communauté d'enseignement s'implique et s'engage. Voilà, je pense certains des points que je voulais soulever. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup pour votre réponse. Je crois qu'il a répondu aux deux questions. Merci beaucoup. Nous allons conclure cette séance. J'aimerais remercier tous les intervenants en ligne et avec nous présents ici, Monsieur le ministre. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette séance. Good afternoon. So we'll just be taking a lunch break in the restaurant downstairs, and we will be back for three panel discussions after lunch. So you can choose which discussion you would like based on the program. One will be here, and the two others will be downstairs in those two rooms in the meeting room area. So you can choose, one room will be here and there's two rooms downstairs. The rooms downstairs is the Seminar Izaro and Muhazi and Virunga. So there'll be one session on teacher development through digital skills and open learning opportunities in Africa. Another on the value of play-based learning for education recovery, that's in Seminar Izaro. The first one is here in the ballroom. And the third one is in Leadership in Education from the Classroom to the Cabinet Office, and that's in Muhazi Virunga. Thank you very much, and enjoy your lunch. Bon appétit.